Le projet Dorsal Nord qui nous réunit aujourd'hui constitue un modèle d'intégration régionale réussie. La réunion d'aujourd'hui est l'occasion de faire le point sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du projet et de formuler de nouvelles recommandations pour la conduite des activités à mener en vue d'atteindre les résultats escomptés dans des délais raisonnables. Il s'agit notamment de consolider ces acquis par des actions continues et de mettre en œuvre des stratégies intégrées en matière de sécurité pour la création d'un environnement de paix durable. Plus spécifiquement, il s'agira d'obtenir un engagement concret des ministres en charge de la Défense pour assurer la sécurité dans la zone d'exécution du projet Dorsal Nord. La sécurité sera une condition sine qua non pour la réussite de ce projet. Pour atteindre cet objectif, il est crucial que les autorités compétentes de chaque pays collaborent avec leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux pour assurer la sécurité des personnes et des biens et établir un climat de paix durable au sein des zones d'intervention du projet Dorsal Nord. Je suis convaincu que cette réunion à laquelle participent les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité des pays concernés par ce projet marquera le début d'un partenariat encore plus étroit entre nos autorités respectives.